Coucou tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo produit terminé et un petit haul de chez Temu. Installez-vous, prenez-vous une boisson et c'est parti. Allez, hop, je prends le premier qui vient. Alors, c'est le Fashion Professionnel à la kératine Hermès que j'ai trouvé chez Action. Il est très bien, il est pas cher et en plus, il est bien noté sur Yuka. Ensuite, le format familial de chez Dove. Deux en un aux amandes. Je vous le recommande, moi il est toujours dans ma salle de bain. Ensuite, le dentifrice Signal White System. Je le recommande, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres gammes. Ensuite, de chez Corinne Farr, j'ai terminé un shampoing et un gel douche aux amandes que je rachèterai car il n'est pas très cher et il est aussi bien noté sur Yuka. Ensuite, une soupline cajoline intense, trésor d'Orient, pas très cher, que j'ai trouvé chez Noz et que je recommande. Ensuite, douci adoucissant, que je trouve chez Lidl, pas très cher et qui fait très bien son boulot. Et c'est vrai que c'est un moment de sensualité. Et je vous recommande. Ensuite, le Lénor, de la soupline encore. Que vous dire, très bon produit et vraiment pas très cher en Allemagne. Et je pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça sent parce que je comprends pas l'allemand. Ensuite, un détachant de chez Cora. Il est pas très cher, mais je veux tester d'autres choses. J'aimerais trouver quelque chose de plus efficace. Alors, dites-moi en barre d'infos, en commentaire, si vous avez mieux. Ensuite, de la Listerine Total. Comme ceci, qui fait très bien son job. J'aime beaucoup ces produits-là, cette gamme-là, donc je le rachèterai. Ensuite, un déo pour la maison, fruits caramel, que je ne rachèterai pas, que je trouve chez Action, car je préférais la vanille, que je ne trouve plus. Ensuite, le The Pink Stuff, que je rachèterai, car il est très efficace pour ma maison, et ma maison l'aime bien. Ensuite, de la bûche de chez Norma, comme ceci, elle coûtait de moins 3 euros et elle était très bonne. Ensuite, je continue. Alors, un gel douche de chez Mariette et Louis de chez Lidl. Très bien, j'adore. Je le rachèterai si je le trouve. Et il y a le gommage aussi, que j'ai bien aimé et il coûtait vraiment pas très cher. Alors, le Sanex, comme ceci. Très bon produit. Ma fille, elle faisait des allergies à je sais pas quoi. Je pense que ça doit être l'âge. Et ce format-là, il était très bien. Je l'avais trouvé chez Action. Donc, je le recommande. Ensuite, un gommage au café sous la douche. Il est très bien. Et je le recommande et je le rachèterai. Ensuite, un lip mask comme ceci, que je rachèterai, qui était très bien pour la nuit. Moi qui ai la peau très sèche en ce moment, ça m'est très utile. Ensuite, un gel douche Ushuaïa, douceur du Japon, laiderie de fleurs de Sakura. Très bon produit. Je le rachète à chaque promo. Ensuite, de chez Nivea, tonique et douceur à l'huile d'amande douce pour peau sèche. Il est très bien, il sent bon, il fait très bien l'affaire. Ensuite, pour mon chat, comme ceci, des petits paquets comme cela, car mon chat est très difficile et il aime que les petits paquets. De chez Leclerc. Ensuite, des bonbons ficelles comme ça, j'aime beaucoup, de chez Lutti. J'aime bien et je rachèterai. Ensuite, de chez Nivea, cellular, lumineuse, anti-tache. Très bon produit que je rachèterai. Mais mon copain me l'a volé, donc il s'est fini très vite. Ensuite, un shampoing gris éclatant déjaunissant. Très bon produit. Et vraiment pas cher. À un moment, il était cagnoté sur le drive Leclerc. Ensuite,
Alors, celui-ci, c'est le Garnier Ultra Doux Masque. Il est très bon. Je l'avais acheté quand j'étais en vacances dans le sud. Et ben, il m'a réparé les cheveux du tonnerre parce que avec l'eau de mer, le sable, et mes cheveux étaient pas très beaux à voir. Ensuite, Eucérin Atopie Control. Il est très bien ce produit-là. Je recommande. De toute façon, les produits pharmaceutiques sont très bien. Ensuite, les Gervais au lit de pêche, yaourt. Moi qui n'aime pas les morceaux dans les yaourts, ça passe très bien. Et c'est très bon et je recommande. Ensuite, de chez Anka, c'est un magasin halal que je trouve ceci. C'est des tenders qu'on trouve au KFC. Et vu qu'on est une famille nombreuse, bah, ça fait le job. Parce qu'on va pas souvent au restaurant. Ensuite, des pancakes, ceci sont chez Lidl, qui sont très bons et qui dépannent bien. Je pourrais les faire, mais j'ai la flemme. Donc, je recommande. Ensuite, un déo Nivea, comme cela, pour homme. Il est très bien, mais mon copain, il aime bien tester beaucoup de choses comme moi. Ensuite, un mascara de chez Yves Rocher, comme cela. Très bon, mais il a séché, donc je peux rien en faire. Donc, poubelle. Ensuite, de toute façon, j'en ai plein. Ensuite, un dentifrice Wet Nov CC Signal. Celui-là, je rachèterai parce que mon copain et moi, nous l'aimons bien. Ensuite, du lait concentré de chez Nestlé. C'est trop bon. Ça me rappelle les berlingots qu'on a achetés avec Tic et Tac, mais qu'on ne trouve plus. Donc ça, j'en ai un toujours dans mon stack. Ça me fait le quota de lait et de sucre à la fois. Ensuite, de chez Merci Andy, comme cela, j'avais deux flacons et je viens de les terminer. Ouf, parce que ça faisait long, mais il était très bien et efficace. Ensuite, la crème crème de nuit de chez Nivea, comme cela. J'aime beaucoup aussi, mais vu la texture, je préfère la jeter. Vous voyez, je préfère la jeter que de la mettre sur mon visage. Ensuite, il faudra que je nettoie quand j'aurai fini cette vidéo. De chez Haribo, les guimauves au chocolat. C'est une tuerie, je recommande. Et vraiment pas très cher. Ensuite, une capture totale de chez Dior. Un petit format comme cela. Très bon produit, je recommande. Et je le rachèterai en plus grand format quand il y aura les promos. Et pour terminer, un haul Temu rapide et efficace. Alors, chez Zara, je voulais un sac et je trouvais hyper cher. Alors, j'ai trouvé le dupe que je recommande, comme ceci, avec la lanière, avec des écritures dessus. Et en cadeau, il y avait, vous achetez, hein, un petit portefeuille comme cela, un deux en un, et c'est très bien. Ensuite, une petite pochette comme ça pour que je puisse accrocher à la maternité quand j'aurai accouché. Et elle était vraiment pas chère. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos parce que le temps de chercher, ça sera trop long. Et je la trouve très belle. J'aime bien cette poignée avec les trucs écrits et la petite perle. Ça fait cette touche féminine. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est comme ça, girly. Alors, je continue. Pour mon haul Temu, j'ai trouvé ces bigoudis que j'ai vu passer et je voulais tester. Ils étaient vraiment pas chers. Donc je testerai et je ferai peut-être une photo sur Insta ou Insta. Ensuite, un truc pour refermer les sachets qu'on ouvre pour pas perdre la fraîcheur. Très bien, ça marche à pile et en plus on peut le mettre sur le frigo. Ensuite, un kit pour bébé. Alors, il y a une pince épilée, des ciseaux, un coupon. Trop beau, c'est en forme de hibou. Ensuite, un mini masque que je voulais tester à la kératine. Comme ceci. C'est vraiment petit. Ça prend la taille de même pas ma main. Donc, il va falloir que j'économise ce petit format. Voilà quoi. Ensuite, ce petit fond de teint. Très beau, j'aime bien comment c'est présenté. Avec son petit goupillon, comme ça, cette
Cette petite éponge, très efficace, avec la petite poudre un peu liquide comme ça. On le voit beaucoup sur TikTok, je trouve. J'ai hâte de le tester. Et il y a une belle couvrance, je ne sais pas si vous voyez. Ça cache mon grain de beauté. Il faudra que je me penche plus dessus. Ensuite, un gloss comme ceci. Je fais tout comme ça. C'est pas du professionnel. Il a bon goût et ça fait une petite couche, mais pas trop. C'est très bien pour les adolescents. On n'est pas trop des adolescents, plus beaucoup. Mais on l'est encore. Eh bien, ma vidéo est terminée. Bientôt, je vais faire un retour de haul pour la naissance, pour mes bébés. Si ma vidéo vous a plu, pouce bleu. Si ça vous a plu, pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt.